Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de ramasser une arme de rareté légendaire ou supérieure. Alors, les raretés légendaires de Fortnite, c'est tout simplement les armes en or comme vous voyez ici. Donc là, regardez, j'ai un fusil d'assaut de tracker légendaire. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement ramasser une arme comme celle-ci. Donc pour obtenir cette arme, soit vous ouvrez des coffres et vous avez de la chance, soit vous tuez un adversaire qui a une arme légendaire et que vous ramassez ensuite, ou soit vous pouvez aller acheter une arme aux personnages qui vendent des armes, et eux ils vendent des armes mythiques, parce que au-dessus, ce qu'il est bien noté, légendaire ou supérieur, et supérieur à légendaire, c'est des armes mythiques. Donc vous pouvez acheter des armes aux personnages. Donc je vous affiche une map avec tous les emplacements des armes que vous allez pouvoir acheter aux personnages. Normalement c'est des armes mythiques. Quand vous allez l'acheter, bah là vérifiez bien que c'est une arme mythique, hein. Mais quand vous l'achetez, ce que vous faites, bah, c'est que vous la déposez et ensuite vous la récupérez. Et normalement ça devrait valider le défi. Alors je ne suis pas sûr parce que je fais le défi en avance. Je fais les vidéos en avance, donc je ne suis pas sûr que ça valide le défi, mais logiquement ça devrait. Donc si ça fonctionne pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais sinon, de toute façon, des armes légendaires comme ça, vous pouvez en trouver assez facilement sur la map de Fortnite, surtout si vous tombez sur un coffre légendaire comme celui-ci. Enfin bref, quand vous aurez récupéré une arme légendaire, bah là vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.